êtes là. Eh bien écoutez, ça tombe très très bien parce que justement on va rester ensemble pendant 1h10 à peu près ce soir. Alors je voudrais d'ores et déjà vous dire que je crains le pire. Déjà on ne fait pas mal, on va très doucement, on ne déchire pas les affaires. Sophie Duez, Jeanne Masse, Stéphanie, Mylène Farmer, Serge Gainsbourg, Tocto, Patrick Bruel et partenaires particuliers vont être avec nous pendant toute cette soirée. Et tout de suite déjà, on ne me fait pas mal, on ne me pousse pas. Et tout de suite déjà, on va voir Jeanne Masse, rouge et noir, épatant, formidable, à tout de suite. Pour Rome, m'a-t-on dit ? Oui. Parce que vous êtes en plein cours en ce moment. Ah oui, je prépare mon palais des sports et donc je me remets en forme, quoi, c'est ça. Vous savez pourquoi le palais des sports ? Vous avez déjà les dates ? Oui, 21, 22, 23 octobre. 3 jours ? Oui. Est-ce que 3 jours, c'est plus compliqué à préparer que 10 jours ? Parce que là, il ne faut pas se tromper sur une soirée, c'est tout de suite dedans. Ah non, 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 pas du tout, c'est exactement la même chose. Il faut préparer un spectacle. Surtout que là, je vais le faire plusieurs fois parce que j'ai une tournée de 40 dates après. Oui. À travers la France ? Oui. Ou un petit peu ailleurs aussi ? Non, quand également ailleurs. Ça peut être genre Suisse, Belgique, Canada. Tout à fait. C'est ça ? Oui, tout à fait. Canada aussi ? Oui. Ah, pas tant, alors vous pourrez nous ramener des petits cadeaux. Alors, on m'a dit également que déjà l'album qui est sorti début avril était double disque d'or. Oui. C'est une affaire qui tourne alors. Bah oui. Oui. La maison de disques est très contente. Oui. Vous moins. Non, moi je suis contente que les gens aient apprécié cet album et l'apprécient. Et puis voilà. Tout ce qui est important pour vous en plus, le thème que vous avez abordé, ou les thèmes abordés. Femmes d'aujourd'hui, oui. Oui. J'avais envie de parler des femmes telles que j'avais envie. On en parle, c'est tout. C'est cela. Arrêtez de bouger, parce que je vais pas être très bien dans 2 minutes. Si je trouve ça, c'est très... Oui, d'accord. Non, je suis pas très bien. Mais, non, mais dites-moi pourquoi ce regard sur les femmes. Est-ce que c'est un regard nouveau que vous avez eu ou... J'avais envie de faire connaître un petit peu les femmes sentimentalement, leur côté émotif. Pardon, je bouge encore. Non, c'est pas grave, je vous en prie. C'est plus fort que moi. Fantastique. Et voilà. D'accord, mais parce qu'il y a quand même une des chansons dont je ne me souviens plus du titre, où il y a presque un regard un peu sexuel comme ça sur les femmes. S'envoler jusqu'au bout. Oui. Bien sûr, je ne pouvais pas parler des femmes sans parler également du rapport entre deux femmes. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer avant tout dans cette chanson, c'est l'attirance que peuvent avoir certaines femmes qui ne sont pas homosexuelles et qui ont cette attirance également envers une autre femme. Mmh. Okay. Et la peur qu'on peut éprouver et en même temps le désir. Vous avez compris ou pas ? Oui, j'ai assez bien saisi la chose. Oui. Eh bien, écoutez, Jeanne, je suis très content. Là où j'ai eu peur un petit peu au début, c'est que je me suis demandé si les gens n'allaient pas, plonger un petit peu dans l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir en se disant, tiens, Jeanne Masse, homosexuelle. Enfin, vous n'avez pas eu peur de ça, vous, au début ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, écoutez, c'est très, très bien. Donc voilà, c'est très clair. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. On rappelle les dates du Palais des Sports ? 21, 22 et 23 octobre. Je vous attends. Je pourrais venir ? Oui, bien sûr. Eh bien, j'y serai. Le guichet est ouvert. Je suis chasseur. Punk, funk, rock. Il est fou, ce mec. Allez, la respiration tout de suite. Vous soufflez pendant l'effort, voilà. Soufflez pendant l'effort. Souffle. On inspire très bien. Soufflez pendant l'effort. Gardez le rythme, voilà. Très bien. Ils sont nuls. Encore. Franchement, c'est mou, complètement ça. Nul. C'est mou, je dis. Sandy, plus fort, ça. Nathalie, ta poitrine. Allez. Le gars a frappé. La jambe, là. Le gars a frappé, Nathalie. Souffle, là, oui. Mais alors. Au bout des bras là-bas. C'est bon. Oui. C'est bon. Allez, comme... au bout des bras. C'est bon comme style. C'est bon. Au bout des bras quand même. Le style, c'est allez. Bon. Ah, il est bon, il est bon. Allez. Je sens bien parti là. Je sens bien parti. Tu peux le faire. Oui. Allez. Bon. Va le faire. C'est va bon. Le faire. Allez. Bon. Peux le faire. Oui, oui. Non. Non. Non, 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 effectivement, non, non. Il ne peut pas le faire. En revanche, la surprise, vous voyez, les 3 personnes, vous regardez pas, on va pas les déranger, les 3 personnes qui sont à côté de moi, c'est Tocto. Et le titre de leur chanson qu'ils vont interpréter d'ici quelques secondes, juste après la sieste, c'est Live in Another World. On est peu de choses quand même. Cours de drague durant cet été, nous allons parler de choses intéressantes. Voilà. Il est évident que nous pouvons séduire par notre intelligence, notre humour, c'est vrai. Mais dites-vous bien qu'un homme qui voit passer une femme là au bord de la piscine regarde d'abord ses fesses.
Non, enfin, disons, regarde d'abord votre silhouette. Alors, ayez avant tout du regard, du sein et de la cuisse. Très bien. Le regard et la bouche, ça marche ensemble. Exemple, si vous avez le regard ardent et la bouche plate, l'effet est raté. De même, si vous avez la bouche pulpeuse et le regard vide, vous n'aurez pas plus de sexe à pile qu'une vache regardant passer un train. Oh. Question d'harmonie. C'est vu, c'est compris, c'est noté. Bien. Mais me direz-vous, comment séduire par le physique quand on n'est pas belle? Ben ouais, faut faire avec ce qu'on a et le mettre en valeur. Et croyez-moi, ce ne sont pas nécessairement les plus belles qui séduisent le mieux. D'abord, on redresse la tête. En effet, on ne drague pas à moitié avachie, assise ou autre. On drague debout ou couché, mais jamais assise. Ah donc, on redresse la tête. Et l'on regarde loin devant soi en marchant. Là, on gagne déjà 10 cm. Si on garde ses pompes, on se tasse. Oui, enfin, toi, t'as intérêt à tasser, elle est trop grande, ça leur fait peur. Voilà. Maintenant, on pointe les seins en avant, comme ceci, on rentre son ventre. Mieux que ça, on respire à fond. Une bonne respiration. Oui, l'on passe du 70 au 95. La bouche est guicheuse, mais sans trop. Et quand on croise un beau mâle, on découvre, mine de rien, son épaule nue, comme par hasard. Oh, la boîte l'a lâché. Je recommence. Oh, c'est la boîte l'a lâché. Bien, là, déjà, on vous remarque, c'est ce que vous cherchez. Ensuite, pour accrocher, c'est une question de tempérament. Si vous êtes du genre patiente, vous pouvez choisir la technique mystère. Pour opérer, laissez venir à vous, en vous arrangeant pour vous trouver toujours là où il se trouve, mais en faisant semblant de ne jamais le voir. Évidemment, ça peut durer des semaines. Si vous avez le sang chaud à rechercher le grand amour et le coup de foudre, c'est pas le bon trip. Mais moi, je veux tout de suite. Alors, là, une sauce technique à passion. Vous foncez, hard ou soft, comme vous le sentez. Enfin, je veux dire, sauvage ou douce. Mais vous foncez. Démonstration sauvage. Oui, ça marche, c'est la première fois. C'est un volcan. Oh, oui, je te plais. Oh, il m'écrabouille les pieds, demande pas pardon. Oh là 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 là. Enfin, parfois ça marche avec les mains, ça peut marcher. Bon, démonstration douce, mais rapide. Oh, quand je vois une peau comme ça, douce, quand je sens l'odeur comme ça, je craque. Je t'attends en bas. Enfin, ça fait une heure que j'attends. Oh, je suis à deux doigts de me ranger un ongle. Ça va encore venir. Hein. Oh, me voilà, mon bottel, mon short, vite, calme-toi. Monsieur de Chavannes, oh. Je peux vous voir dans un coin. Comment? Je peux vous voir dans un coin. Non, vous, excusez-moi, là, j'ai pas... S'il vous plaît, non, une petite minute. Non, on ne touche pas, j'ai pas beaucoup de temps, là. Bon, alors, le temps de chercher un papier à crayon. C'est ça, oui, c'est ça. Tout à l'heure, oui, tout à l'heure. Il est gentil. Non, on m'avait dit, tu vas présenter une émission, tu vas être content, tu vas voir, ça va s'appeler toute folle de lui. Je croyais que c'était des filles. On peut se planter. Ça fait rien, on a quand même eu le plaisir de voir Mylène Farmer et le titre, c'était Libertine. Étonnant, non? Croyez-le si vous voulez, mais Serge Gainsbourg est assis à côté de moi. Oui, je suis assis, je suis sur mon cul. Voilà, il est là. Et vous avez un très très joli petit insigne sur la chemise, si on pouvait faire un gros plan. C'est un insigne, je ne sais pas ce que c'est exactement cet insigne, vous pouvez me dire ce que c'est? Ça, c'est la police municipale. C'est un cadeau ou... Cadeau. C'est un cadeau. Cadeau. Très très bien. Alors, j'ai pas la matraque, mais enfin, ça viendra. Comment ça? Qu'entendez-vous par là? No comment. No comment. Alors, j'ai dans les mains, je t'aime moins non plus, Bardot Gainsbourg. Oh, c'est pas dégueu, hein. Ça a été enregistré il y a... Zoom avant, Coco, zoom avant. 19 ans. Brigitte Amado, s'il vous plaît, comme dit Monsieur Gainsbourg, zoom avant. Merci. Brigitte, putain, ce que j'étais beau. Pourquoi vous avez attendu 19 ans? J'étais belle à l'époque. Putain. Pourquoi j'ai attendu 19 ans? Oui. Arrête. Ben, c'est que... Oh, il y a eu un problème. Brigitte était mariée avec Luther Sachs et les... C'est très éprouvant. Les journaux à scandale sont emparés de l'affaire. On a tout arrêté. Tout arrêté. Et ben ouais, et maintenant. Et maintenant, ça y est. Et ça décoiffe, ça se calme, ça trouve le cul. Ça comment ça marche bien.
C'est ce que vous voulez dire par là? J'ai dit, ça décoiffe, ça se capte, ça trouve le cul. D'accord. Donc je traduis, ça marche bien. Le pourquoi tu tutoies pas, mon petit gars? Bah parce que, je sais pas. Tu es intimidé. C'est un... Non, c'est un reste... Enfin, un petit peu intimidé, si, bien sûr. Et un reste de... d'éducation judéo-chrétienne qui fait que je vous vois, mais le tutoiement que vous faites m'honore. Oui, bon. Cher ami. Alors, vous, on m'a parlé d'un film également. Oui, j'ai pas encore le titre, mais j'ai... stressé par un scénar et... film entre Charlotte. Bon, en fait, on va expliciter la chose. Je suis scénariste, dialoguiste, metteur en scène, acteur avec Charlotte, ma petite cocotte, Forever. Oui, bien entendu. Charlotte Forever, c'est le titre de l'album. Et musicien. Je retournerai à New York pour faire la musique. Pas producteur. Quoi? Pas producteur. Ah non, je mets jamais du blé sur moi. On peut parler d'histoire un petit peu? Bon, c'est un peu top secret. Hein. Un peu, bah, c'est un rapport, papa, Charlotte, un peu. C'est un peu les manifestes. Citron. Non, plus. Est-ce que je dirais pas plus classieux, mais plus profond. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des images comme il y a pu en avoir dans Les Manincès, dans le clip? Certainement. Tiens, vous allez penser qu'il va y avoir des images qui vont choquer un petit peu? Le clip n'a pas choqué, je regrette. Parce qu'il y a une phrase clé dans ce clip. Alors si les blaireaux, ils n'entendent pas, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Oui, oui, non, le j'ai... plus beau, le plus... Ah putain, merde! Non, mais vous ne mettez pas en colère, merde. Serge. Mais si! Bon. C'est terrible. Je peux payer une nana sublime et puis je vais pas attaquer là. Je vais pas faire des approches sur l'inceste. C'est inimaginable. Ouais. Ensuite, bah oui, ça va être Jane Forever. Bien sûr. Ah ouais. Donc Bambou Forever, Charlotte Forever, Jack ouais, Forever. Moi Forever, et vous Forever, me Forever. Et tout va bien. Et My Lady Heroine Forever. Voilà un enchaînement qui est quand même assez royal. C'était épatant. My Lady Heroine, donc Serge Gainsbourg. Il assure, hein. Tout de suite. C'est il assure le blaireau. C'est une affaire. T'as vu, il y a les filles là. C'est bête, je suis obligé de rentrer, il y a ma mère qui m'attend. Ah oui. Mais non, mais c'est pas un problème. Quoi? Je te fais l'ambiance autoroute. Et quoi? T'es en panne. Vas-y, va, vas-y, voir. Vas-y. Allô, maman? C'est ton fiston. Je suis en panne sur l'autoroute, c'est bête, hein. Je me demande si le moteur de la voiture va pas exploser. Non, mais t'es con, quoi. C'est quoi, j'ai fait l'explosion? Non, mais c'est pas toi qui dis ça, maman. Non, ça va. Et je vais voir le moteur de la voiture, hein. T'as fini, Eric? T'as fini? Ma mère est cardiaque. Tu arrêtes, s'il te plaît. Maman? Oui, ben c'est ça, bien. Oui, ben il y a des bûcherons à côté qui sont en train de couper les arbres. C'est pour ça. Oui, t'inquiète pas. Mais il regarde la télévision, il y a le mot Pacho à la télévision là en ce moment. C'est pour ça qu'il continue à couper les arbres. Ah ben ça c'était un bateau qui passe sur l'autoroute. Arrête. Un bateau. Oui, et un éléphant. C'est le ciel plein d'air. Ils vont faire une tournée sûrement. Maman, je suis entouré par des Allemands, des fédaïnes. Oui, non, mais c'est pas grave. Je vais m'en remettre. T'as fini, Eric? Oui, c'est fini. Oui, maman, c'est... Non. C'est tout va bien? Non, mais je suis pas fou. Non, ça c'est la voiture qui m'appelle. Je vais aller la retrouver avec l'éléphant qui est sur le bateau et les fédaïnes qui sont repartis avec le mirage, tu comprends? Allô, maman? Maman? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est malin, elle a raccroché. Il faut que j'appelle ma mère, allô? Tu me fais l'ambiance? Tu sais faire une ambiance? Ah oui, ça je peux te faire une ambiance, tiens. Ouais. La seule que je puisse te faire, tu vois, c'est la mouette. T'as une fin croque? Je suis le chasseur. T'as une fin croque? Je te dis que c'est un espion. Un maniaque, oui. Dans toutes les cours de récré, à la terrasse des cafés, il y a toujours des petits malins qui prennent Milo pour Tintin.
sans vous le dire. Il y aura toujours des corbeaux qui répètent tout ce qui est pas beau. Ça m'empêche pas de dormir, mais ça me fait coucher tard. Ça les rend peut-être heureux, mais s'il faut vivre comme eux. Non, non, je veux pas. Non, non, je peux pas. Il faut pas m'en vouloir, mais depuis que je suis tout petit, j'ai la sale manie de dire non quand faudrait dire oui. Des voyous pour te piquer tes roues doudou, des lulus, des popoles, des terreurs de cours d'école. Il y a toujours eu des idiots pour t'empêcher de copier, toujours un mec au feu rouge qui te klaxonne pour que tu bouges. Ça m'empêche pas de dormir, mais ça me fait coucher tard. S'il faut faire comme tout le monde pour faire partie du monde. Non, non, je veux pas. Non, non, je peux pas. Il faut pas m'en vouloir, mais depuis que je suis tout petit, j'ai la sale manie de dire non quand faudrait dire oui. Il y aura toujours des crétins qui prennent Milou pour Tintin, des prophètes qui profitent des rêves qui se finissent trop vite. Il y aura toujours des plus grands qui avancent en redoublant. Je me sentais pas à ma place au milieu de cette photo de classe. Non, non. Il parle dans mon micro. Il là. Parle dans ton micro. Ah, il en profite. Je mets comme ça. Il profite, il y a un micro. Voilà. Il profite. On va, c'est ambigu là. C'est ambigu. On va décoller un petit peu. Oui. Comment ça va? Bah ça va bien. J'ai eu peur des filles. Là. Bah oui, non, mais c'est-à-dire que c'était toujours un petit peu effrayant. Le nombre, c'est toujours. Elles étaient nombreuses. Oui, hein. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu, très brièvement, parce que je sais que vous n'aimez pas trop dévoiler les choses avant que ce soit vraiment sorti de la mémoire tatouée. Oui, on peut le faire. Ça. On peut dire que c'est un film qui va sortir au mois d'octobre. Ça, on peut le dire. Qui est terminé, qui est tourné, qui est monté, qui est mixé, et qui est avec Ben Gazzara, Julie Christie et Jean Carmet, qui est totalement en anglais et qui est très beau. Vous avez joué en anglais? Oui, on a joué en anglais. C'est, avant, vous saviez déjà parler anglais ou vous avez appris? Avant le film, je savais déjà un peu, oui. J'avais fait des études. Oui. J'avais fait un doc d'anglais. Oui. Et j'étais allé à New York. Oui. Donc ça m'a servi. Voilà. Et puis après, vous avez fait quand même la méthode à 12 000 ou bien... À 12, oui. À 18. Pardon, même. Vous êtes gentil, ouais. Voilà, parce que vous brillez un peu. Vous brillez un petit peu. Beaucoup de soleil chez oui. vous. Hein. Bah oui, ça, il oui. fait très très chaud. C'est l'été, voyez. C'est remarquable. C'est l'été. C'est remarquable. On m'a dit m'habiller léger, je m'habille léger. Vous avez bien fait, voyez. Vous avez bien fait. Moi, de temps en temps, entre deux petites choses comme ça, je me prends une petite douche. Mais vous savez que vous brillez un peu aussi. Ah bon, vous me dites tout. Un petit peu ici, là. Voilà, on se fait une beauté. Et alors, et l'album? L'album, ah oui, oui, bah on part la semaine prochaine le faire. La semaine prochaine? La semaine prochaine. Mon Dieu. Voilà, ça fait depuis le début du mois de juillet qu'on fait des maquettes, puis ouais. on part les chansons. Ouais. Et on va le faire la semaine prochaine. Ouh. Et puis, je pense qu'on devait partir très très loin, finalement, on va peut-être rester à Paris. Enfin, on ne sait pas encore exactement où on est. Vous partez la semaine prochaine, mais en restant à Paris quand même. Voilà, t'as partir mais d'ici, mon vieux. Voilà, c'est cela. Et alors, il y aura ce titre là-dessus? Il y aura ce titre dessus, alors, la version remix de ce titre. Elle est froide! Oh! Et pourtant, je mets ce quête, oh!
Ah ouais, ça devient une manie maintenant, les remixes. Hein. Bah écoute, dès qu'on fait un disque, on reçoit une rafale de coups de fil des boîtes de nuit qui nous disent « Oui, mais pourquoi vous ne faites pas une version ?» Le remix, ça veut dire quoi? C'est plus long. C'est plus long et c'est plus... Il y a plus de décibels et c'est plus rythmé. D'accord. Donc c'est pour les boîtes. Donc si jamais vous êtes intéressé par un remix, voyez-vous, il y aura un remix de « Non, je veux pas ». Voilà. Il est déjà sorti, il est dans toutes les boîtes depuis le début de l'été. Voilà, donc éventuellement, là il n'est pas l'heure, mais d'ici 2-3 heures, vous pouvez aller... c'est l'époque en Swing. Plus. En plus, c'est l'époque. Oui. Eh bien, écoutez, épatant. Vous avez vu cet engin? C'est super. Hein, c'est super. Étonnant, hein, silencieux. Ouais. Silencieux. Ça va pas trop vite, c'est pas trop non, dangereux. C'est bien, hein. On peut monter à combien dessus? Ah, on peut monter à 70. Ouais. Là, dessus? Dessus, oui. Deux. Oui, là on est au maximum, là, voyez-vous. Vous avez des projets cinéma autres que celui qui va sortir, dont on peut pas trop parler quand même encore? Voilà. Je vais tourner un autre film qui sortira au mois de février. Là. Ouais. C'est un film policier. Un film policier. Ouais. Et vous jouez quoi? Un policier? Non. Un voyou? Oui, il va le devenir. Ouais. Mal devenir. Vous voulez pas trop. C'est marrant. Je peux pas vous dévoiler, par exemple, cette histoire-là. Si je vous dévoile, ça sert plus à rien. Bon, alors écoutez. Donc, bientôt, un film policier qui sortira. Vers le mois de février. Ah, quand même, oui, donc c'est pas très très loin. Ah, bah non. Non. Parce qu'on va tourner bientôt. C'est étonnant, vous savez, je suis très étonné. Vous voulez passer un petit peu de. Voilà. Énormément. Hybride, hein. Hybride. Voilà. Ça s'appelle hybride. Étonnant. Ça, en dessous un peu les cheveux. Voilà. Patrick Hibbert. Oulala, oui, ça c'est. Ah, oui, Pierre, c'est. Ah, oui, là, c'est immense. Je vous le laisse celui-là. Merci. Il est celui-là. Et voilà. Je voudrais pas m'énerver trop quand même, c'est énervant. Pourquoi hein. Ils sont bien là, je trouve. Oui, je vous en prie. Et la nouveauté, c'est Je et les acteurs. Oui, de Gérard Krasik. Oui. Et alors, c'est pour me planter un petit peu le décor, on m'a dit que c'était les années 40, Hollywood. Alors, Hollywood, les années 40, oui. Tout ça en noir et blanc, oui. Dans la tradition du polar américain. Ah, j'aime beaucoup le noir et blanc, déjà. Voilà. Ouais. Et c'est une adaptation d'un livre drôle de Ben Hecht. Mm-hmm. Et qui humour dans juif. Un humour juif américain, dans un peu dans la lignée des films de Woody Allen, un peu cet humour-là. Mm-hmm. Le metteur en scène, c'est Gérard Krasik, je ne sais pas si on l'a dit. Si, on vient de le dire, mais c'est pas grave, c'est votre oreille. C'est pas oui. C'est l'autre la bonne. C'est-à-dire que je suis un peu. Oui, il faudrait peut-être parler moins fort, mais c'est un peu émouvant, mais. Énervant, émouvant pour vous, énervant pour moi. C'est chaud. Même pas que... Vous avez chaud? J'ai un peu chaud. Ah, vous avez chaud. Vous les cherchez là? C'est une question d'onde. Oui, ça doit être cela. Oui. Et alors on peut dire un petit peu qui il y a Jean Poiret? Oui. Il y a Bernard Blier, oui. Il y a Pauline Lafont, Michel Blanc. Michel Blanc, Sophie Duez. Sophie Duez, c'est ça, oui. Et vous avez vraiment très chaud? Un peu, oui. Bah écoutez, messieurs, allez jusqu'au bout maintenant que vous êtes là. Vous êtes venus, allez jusqu'au bout, si vous voulez que je vous dise. Non. Bah oui. C'est étonnant, ça, c'est quelque chose. On voit, ils arrivent avec leurs gros bras. Et non, mais c'est là qu'ils pensaient peut-être que vous seriez. Non, jusqu'au bout. Ils n'auraient quand même pas m'énerver jusqu'au bout non plus, quand même. Je la veste. Ça vous agace pas quand vous faites des films et que vous ne rencontrez pas les gens forcément qui sont. Ah, tous... si, mais ce film-là, c'était particulier parce qu'on est vraiment plein de gens. Mm-hmm. Et moi, j'avais pas beaucoup de jours. Mais chaque rôle est une pièce importante de l'histoire. Mm-hmm. Parce que c'est une histoire avec vraiment plein de personnages. Et alors, vous, votre rôle, compliqué. C'est le rôle d'une comédienne. Oui. Ça, c'est la première fois que vous faisiez ça. Non, j'avais fait dans le film Elisabeth, mm-hmm. Saint-Bartholomé. Ah ben voilà, c'est parce que je l'ai pas vu celui-là. Parce qu'il n'est pas sorti encore. Vu, sinon, hein, presque. Et voilà, mais c'était pas la même chose. Là, c'est une actrice qui est en réaction un peu contre les actrices objets d'Hollywood, mm-hmm. que joue Pauline Lafont, qui mm-hmm. elle est la blonde platine, la vraie actrice pulpeuse. Ça n'existe plus, ça? Ils se marrent parce qu'il y a quelque chose de drôle. Ils se marrent, vous croyez? Ouais. Moi, je crois que c'est parce qu'ils sont un peu. Mais ne m'énervez pas quand même, ils ont ramassé votre mouchoir et tout ça. Ça commence vraiment à suffire. Hein. C'est-à-dire que normalement, quand un mouchoir tombe, il y a un prince qui se baisse. Oui, mais je suis assis. Sinon, non, je ne serais pas si. C'est une dernière chance, non, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Vous avez vu comment il est taillé, le prince? Là, je me marre, là, je suis désolé. Il est gentil, hein? Il est gentil. Puis, pas me répondre parce que c'est moi qui ai un micro, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Oui, non, c'est comme ça, ça suffit. On peut pas tout avoir, la parole et la carrure. Très bien, je vois que nous partons sur de bonnes bases. Je suis ravi, mesdames et messieurs. Bonsoir, Sophie Duez. Donc. Bon, attendez, parce que je veux bien que vous colliez Sophie, mais enfin, très limité. Mais alors, moi, s'il vous plaît, vous êtes gentil, vous ne touchez pas mon corps. Merci beaucoup. Vous reculez. Sophie, je voudrais vous proposer ici de venir vers moi, que je vous protège, parce que j'ai pas ramassé le foulard tout à l'heure, mais je suis quand même. J'aurais pu le ramasser si j'avais voulu. Je vous propose que nous voyons maintenant Stéphanie. Ah oui. Et on pourrait faire par exemple 1, 2. 1, 2, 3, 4. Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. La passion comme une ombre.
On a bien joué, si j'arrive à l'arrêter. Formidable, non? Vous allez bien? Très bien. Vous pouvez difficilement aller mal avec la réussite de ce disque, quand même. Bah oui, ce serait un peu difficile. Mmh. Dès le départ, vous saviez que ça allait faire un métier à carton? Bah, je savais pas du tout. Hein. À vrai dire, je pensais même pas avoir ça sur une liste, un disque d'or. Je pensais que la meilleure place à laquelle j'arriverais, c'est dans les 20 premiers au top 50. Ouais. Donc, je pensais pas tenir aussi longtemps à la première. Ah, quand même, déjà, vous pensiez au top 50 dès le départ? Bon, notre rêve, c'était d'y arriver, quand même. Ouais. Alors, il y a des gens des mauvaises langues, mais ça, il y en a partout, qui disent « Oui, mais si c'était pas Stéphanie, ça marchera pas, etc. » Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben non, moi, je crois que, bon, au départ, c'est sûr que mon nom a aidé et que les gens sont partis acheter le disque parce que c'était moi, parce que j'étais déjà connue. Curiosité. La curiosité, voilà, le terme exact. Mais je crois que, sur la longue, avec tous les passages radio, les gens ont commencé à aimer la chanson. Et s'ils ont été 1 million à l'acheter, c'est que ils aiment la chanson et qu'ils ont envie de l'entendre. Mmh. Et le cinéma, ça... Ça gamberge. Ça gamberge un petit peu. Ça gamberge. C'est un appel du pied, là, d'éventuels réalisateurs ou producteurs, ou c'est déjà les contacts qui ont déjà pris? Non, je crois que c'est des expériences, c'est l'apprentissage. Et c'est comment se tenir devant une caméra, je crois que c'est important. Mmh. Mais c'est pas un appel à qui que ce soit, ni dire « Ouais, bonjour, je suis là, je vais faire du cinéma », non, c'est pas ça du tout. Vous avez touché à pas mal de choses, vous avez été styliste, vous avez été top model, enfin, vous avez pas mal de trucs. Maintenant, vous êtes plus stabilisé, vous avez envie de continuer, là? Ouais, là, je continue toutes les manières à dessiner mes maillots de bain, des collections. Mmh. C'est pas quelque chose qui m'occupe vraiment toute l'année, puisqu'on fait qu'une collection par an, donc c'est saisonnier. Oui, c'est une collection d'été, a priori, il voilà. Y a pas vraiment de collection d'hiver, pas pour les maillots de bain. Non, pas vraiment. Ouais. Quoi qu'on en a fait une, quand même. C'est les gens qui ont la chance, non, les gens qui ont la chance de partir au soleil à Noël. Ah, alors dans ces cas-là, c'est une collection spéciale, ouais. Une collection spéciale. Avec une capuche, des bottes. Ben non, puisqu'ils vont au soleil. Non, je dis n'importe quoi. Hé, Stéphanie. Hé, Stéphanie. Je suis chasseur. Punk, rock. Oui, c'est cela. Oui. C'est cela même. Je crois que ce garçon a un problème. Oui, non, c'est pendant une heure. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de cours. Très spécial en transit. Vie.
vous arrivez de Corse là immédiatement, vous allez refiler bientôt, tout bientôt? Absolument. Oui. Absolument. Vous êtes très traditionnaliste pour ça, les vacances, c'est sacré? Je suis très casanière et je vais toujours dans les mêmes endroits. Je déteste partir d'ailleurs. Mais comme on a une maison en Corse, donc on va en Corse tous les ans. Casanier, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne jamais. Casanier, c'est de... j'aime pas changer, j'aime pas faire des choses différentes. Je suis sécurisée par les mêmes choses. Faites pas la fête. Ah, ça, on peut faire la fête chez soi. Chez soi, ouais. Hein. C'est le meilleur endroit pour ça, pour moi. Alors, ce disque, c'est un disque qui marche très très bien. Très bien. Et alors, j'ai entendu dire, mais vous êtes peut-être le contraire, qu'il devait y avoir un clip. Puis finalement, non, il n'y a pas de clip. Ah oui, c'est toujours très compliqué. Je découvre la difficulté du monde actuel du show business. C'est vrai que quand on fait une chanson maintenant, en principe, il faut faire un clip pour que ça fonctionne bien. Et c'est très très difficile de faire ça parce qu'un clip coûte très cher, tout bêtement. On va peut-être faire quelque chose avec les. Avec la bande d'Étienne Dao. Ah ben Étienne Dao, parlons-en, parce que ça fait, je dirais, quelques dizaines de mois, comme ça, qu'on parle avec Étienne Dao d'un bouquin sur Françoise Hardy. Oui. Et alors là, ça y est, il semblerait que c'est plusieurs dizaines de mois, puisque j'ai rencontré Étienne il y a à peu près 3 ans, peut-être 4 même, pour faire toute une interview pour ce livre. Et là, il semblerait que là, c'est pour septembre, octobre. Il semblerait qu'il va sortir son livre en octobre, en même temps que moi, je sortirai le mien. Voilà, alors ce livre, c'est Entre les lignes, entre les signes. Oui, ça c'est le mien, c'est pas celui d'Étienne. Serait-ce par hasard un bouquin sur l'astrologie? Bien sûr. Alors c'est quoi? C'est un bouquin traditionnel? C'est un bouquin, bon, il se trouve que pendant plusieurs années, j'ai fait des émissions sur une station de radio, je ne sais pas si on peut dire le nom. Monsieur, allons-y. Si, sur Radio Monte Carlo. Et bon, on a vu pas mal de gens, on a fait une approche à la fois astrologique et graphologique des personnalités qu'on a rencontrées. On a trouvé que c'était dommage de perdre comme ça tout le travail qu'on avait fait. Et donc on a rassemblé vraiment les interviews les plus instructives qu'on avait pour essayer de faire connaître l'astrologie moderne, qui est celle que je pratique et qui est une astrologie quand même différente de l'astrologie la plus répandue, au travers justement de toutes ces interviews qu'on a faites. Différentes, meilleures, mieux. Plus sérieuse, plus rigoureuse. Ouais. J'aime bien cet adjectif, j'en abuse un peu. Oui, ça veut dire que là, les astrologues qui nous écoutent vont peut-être pas être très contents. S'ils sont sérieux, ils seront sûrement contents de dire ça. Ils apprendront peut-être des choses. Quelles sont les personnalités qu'on va retrouver dans votre livre? Écoutez, il y en a beaucoup, il y en a 22 en tout. Alors il y en a qui sont plus ou moins. Oui. Celles qu'on ne va pas retrouver, car vous n'avez peut-être pas osé les mettre dans le bouquin. Il y en a deux que je tenais absolument à avoir dans ce livre, qui au dernier moment ne m'ont pas donné l'autorisation, parce qu'il faut quand même avoir l'autorisation des personnalités. C'est Isabelle Adjani. On avait une analyse graphologique et une interview tout à fait passionnante. Et puis, bon, elle n'a pas eu le courage, disons, je ne sais pas si c'est une question de courage. Et puis, on a eu aussi Bernard-Henri Lévy qui a refusé l'autorisation sous prétexte qu'il ne veut rien qu'on publie sur lui qui n'est entièrement rewrité. Ah mon Dieu. Alors voilà. Oui, d'accord. Oui, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est beaucoup moins drôle. Je vais peut-être vous poser une question indiscrète là. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette flamme là? Vous avez regardé bizarrement là. Non? Je pose une question indiscrète alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va peut-être regarder. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais. Il y a la femme, il y a le mec, il y a. Ah, c'est bizarre ça. Le chien, il y a tout. Quoi? Ah bah non, mais c'est étonnant quand même. Ça n'a jamais été une flamme. D'abord, je veux, avec ma langue, natale. Deviner des pensées. Ah! Elles sont grosses en plus. Le profil de charme, vous savez ce que c'est. Vous savez aussi que ce sont différentes personnalités politiques qui sont face à l'ordinateur qui est devant moi. Aujourd'hui, François Léotard, qui est à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, plus exactement. Ministre de la Culture et de la Communication. 10, 12, 13, 14 heures de travail peut-être par jour. Un peu plus actuellement. Combien, jusqu'à combien vous pouvez aller? On peut commencer à 9h du matin et finir le lendemain matin à 6h30. Ça m'est arrivé avant-hier. Oui, c'est bien. Enfin, ça va, vous avez vous tenez bien le choc. Très bien. Oui. Puis vous aimez ça? J'aime ça. On vous a beaucoup vu dans les médias, on vous a beaucoup vu faire du sport, on vous a beaucoup vu. Est-ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un de charmeur ou de séducteur? Non.
Non, je peut-être j'arrive à convaincre, ça m'arrive, de charmer, c'est différent, c'est pas la même chose. Mmh. Convaincre, oui. Vous avez un physique de jeune premier, vous pensez, ou pas? Non, ça je ne crois pas une seconde. Non, non, pas du tout. Alors l'ordinateur, vous connaissez le principe, si vous ne le connaissez pas, je vous l'explique brièvement. Des questions vont vous être posées, vous n'avez même pas besoin de les lire, vous pouvez les écouter. C'est une voix féminine, normalement, si tout va bien, qui va vous les poser. Et je vous demande de répondre avec, bien sûr, de la franchise, de la spontanéité, enfin tout ce qui vous caractérise. Finalement. Absolument. Vous êtes prêts? Il faut appuyer avec le... Oh, je vais m'en servir, oui. C'est pas difficile, mais c'est plus simple comme ça. Écoutez bien. Dans certaines situations, aimeriez-vous être invisible? Parfois, oui. Oui ou non? Tout à fait, oui. Je peux vous demander un exemple? Mon percepteur, je vais vous dire que... D'accord. Préférez-vous les chambres aux antichambres? Oui, parfois ou non? Les chambres, oui. Parce que les antichambres ont fait tapisserie. Avez-vous souvent besoin de vous appuyer sur des principes ou des règles? Parfois, oui ou non? Oui. Vous êtes quelqu'un de principe? Oui, c'est des principes d'ailleurs qui ne sont pas nécessairement moraux, mais qui sont des principes de conduite. Je rappelle que vous avez été séminariste, oui, pendant un an. Il n'y a pas uniquement le côté moral, il y a le principe de conduite, c'est-à-dire qui vient quelquefois de l'expérience. Quand on s'est brûlé, il vaut mieux pas se brûler une deuxième fois. D'accord. Malgré vos multiples relations, vous sentez-vous seul? Oui. Non, oui. C'est un oui très catégorique, ça. Toujours, d'ailleurs. Vous voyez, j'utiliserai rarement le parfois, je crois. Mangez-vous en cachette? Oui, non, ou parfois? Oui. Si, en cachette, ça veut dire en dehors des heures de repas. C'est... Ah non, en cachette, ça veut dire que... Ah non, je me cache pas des gens. Non, non, alors dans ce cas-là, c'est non. Moi, c'est si c'était en dehors des heures de repas, c'est oui. Si c'est en se cachant des gens, non, ça m'est égal. D'accord. Le cassoulet au confit, toi, est-il un de vos péchés gourmands? Oui, parfois, c'est... ou non? C'est le seul cas où je dirais parfois, parce que je ne suis pas un fanatique du cassoulet, mais... C'est riche, hein, ça, hein, le cassoulet. Oui, c'est un peu lourd, oui. mais j'aime bien. Parfois, quand même. Parfois. Ah bah, vous voyez que vous l'utilisez parfois. Auriez-vous aimé être un homme de théâtre? Oui, parfois, ou non? Oui. Bah, vous voyez. Aimeriez-vous qu'en pensant à vous, on associe un parfum? Oui, non, ou parfois? Oui, oui. Je pense à un parfum très particulier, d'ailleurs, parce que c'est pas n'importe lequel, c'est dans ma région, c'est la lavande, éventuellement. À la lavande. Pensez-vous qu'on puisse vivre d'amour et d'eau fraîche? Oui, parfois, ou non? Oui, très provisoirement, et pendant un jour ou deux. Ah oui, c'est très très provisoire, oui, d'accord. L'important, est-ce vous? Oui, non, ou parfois? Je suis très embarrassé par cette question. Elle est très embarrassante, il faut dire. La franchise, ça serait dire oui. Et l'intelligence, ça serait dire non. Alors, il y a parfois. Oui, mais parce que, si vous voulez... Enfin, allez, mettons parfois. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Hein, non, non, mettons parfois, parce que c'est très compliqué. Il faudrait des heures pour répondre à une question. Des heures, on ne peut pas. Mais si non, non, mais mettez parfois, bon, ça me semble plus clair. L'ordinateur va nous dresser un profil. Tout à l'heure, on parlait de séduction. Vous pensez qu'on peut être un amoureux du pouvoir? Parce que je ne pense pas qu'on puisse être un homme politique sans être amoureux du pouvoir. Sans être séducteur, vous ne pensez pas qu'il y a une... Je pense qu'on peut être amoureux du pouvoir sans être séducteur, parce que si vous cherchez à séduire, d'abord vous n'avez plus le pouvoir rapidement, et que c'est un peu contradictoire. Et quand vous cherchez à séduire systématiquement, vous êtes un jour ou l'autre mal compris et vous quittez le pouvoir. Mmh. Et je crois que le pouvoir, c'est justement prendre des décisions qui sont parfois, souvent, même impopulaires. C'est un peu contradictoire. On va se retrouver dans quelques minutes, on écoute, on va à ça, et on va voir le résultat, donc voilà. Thank you.
été le résultat de ce profil de charme, alors je vous demande d'être très attentif et de me dire tout ce que vous penserez après. Vous êtes l'homme du cocktail magique. Un brin de mystère, un zeste de charme, deux gouttes de provocation et elles sont sous votre coupe. Pourtant, si votre naturel pétillant crée sans cesse de nouveaux dosages à votre cocktail, au moment de consommer, bien souvent, la saveur de vos rêves ne s'y retrouve pas vraiment. N'y a-t-il pas là l'origine d'une certaine politique de rigueur en amour chez vous ? En fait, vous avez de la fantaisie, mais il vous arrive de l'entourer d'une ceinture de chasteté. Et c'est peut-être la peur d'en égarer la clé qui vous fait organiser, planifier et codifier vos amours. Pour le reste, vous êtes un assoiffé de liberté, un défricheur de sentiers nouveaux, toujours tourné vers la face cachée de la lune. Là est votre bonheur qui mène à votre image, une image dont le ramage se rapporte au plumage. Alors, écoutez, moi j'admire j'ai plus vu quelques mots. Oui, parce que l'organisation de certains aspects de ma vie privée est quelque chose qui m'étonne beaucoup toujours. Parce que j'ai peu de vie privée et parce que je l'organise mal, en fait. C'est un ordinateur, hein, il n'y a pas eu... Oui, oui. Mais par contre, j'admire toujours les gens qui sont capables de se définir avec précision. Et moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc quand on me dit des choses sur moi, et là, c'est un ordinateur qui le fait, mais à partir de moi, je suis toujours étonné. C'est comme un miroir qui ne renvoie pas exactement ce que vous attendez, mais c'est... Assoiffé de liberté, oui, quand même. Si, assoiffé de liberté, ça me va très bien. Défraîcheur de sentiers nouveaux, ça, c'est vrai, qu'on puisse non, dire. C'est vrai, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Je vous ai regardé depuis le début de notre entretien. Vous n'en avez pas beaucoup, mais de temps en temps, vous avez un sourire que je trouve, voilà, comme ça, par exemple, que je trouve tout à fait, sans aucune ambiguïté, bien entendu, de ma part, que je trouve assez séduisant. Alors, je vais vous remettre ce profil de charme et je vais vous demander, si vous voulez bien, on pourrait finir là-dessus, de regarder la caméra qui est ici, qui fait un gros plan sur vous, celle-là, et puis de faire, le sourire le plus enjôleur et le plus séducteur que vous pourriez faire. Vous savez, c'est très difficile de faire un sourire à commander, c'est pas facile. À une machine, enfin, ouais. en dehors de l'homme qui la sert. Vous imaginez ce que vous voulez. Qui la sert, mais c'est très difficile. Mais je peux le faire en pensant à tous les téléspectateurs, au sens général. Du je vous en prie. Qui sont derrière cette caméra et derrière leurs écrans. Et je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un bon week-end. Allons-y. Merci. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il est un petit peu mieux au naturel. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. Je trouverai cette fille qui me tente.
bonne route, soyez prudents, bonne semaine. À samedi prochain, 20h35 sur cette même chaîne. À très bientôt, au revoir. Je suis chasseur. Oh, c'est chasseur. Ach, mon air à moi, le dick. Ah, ben, c'est à qui me couche t'as dit ? Oui. Ich prononce un peu on speak ? Non. Eh ben alors. En fait, je vais vous dire quelque chose. C'est quand même très important. C'est une émission qui gagne. N'essayez jamais plus de me faire peur comme ça. J'ai pas voulu te faire peur, petit. Vous me refaites encore une fois ce coup-là et vous savez ce qui va vous arriver ? Non, petit. Tu vas me le dire. Je vais vous détruire. D'accord, petit, je suis à tes ordres. Et puis autre chose. Mon nom, c'est pas petit. C'est Jeff. Vous arriverez à vous en souvenir ? D'accord, petit. Ah. Ouais, c'est ça, marrez-vous. Merde de vache. Tu m'as appelé comment ?